Bismillah, bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Donc aujourd'hui on fait les brouettes au thon, fromage et plein de bonnes choses. Donc ça c'est le résultat. Pour l'équivalent de deux paquets de feuilles de briques, ça m'a donné toute cette quantité. Donc voilà, c'est parti pour la recette. Donc on va écouter une boîte de thon à l'huile de préférence. On va mettre du fromage râpé, cheddar et trois fromages. Pour le fromage, il faut mettre un fromage épais pour ranger le tout en fait, pour que la farce soit compacte. Et bien sûr, les pommes de terre, il faut que la cuisson soit ni trop. Je veux dire, les pommes de terre, il faut qu'elles tiennent un petit peu. Donc, quand vous les cuisez, vous plantez un couteau dedans pour voir si ça descend. C'est que c'est bon. Mais il faut pas que ça descende vite, hein, parce que là, de toute façon. Et si vous voyez que ça coince, c'est qu'il manque encore un peu de cuisson, parce que quand vous allez couper la pomme de terre, l'intérieur sera pas cuit. Et du coup, vous allez avoir du cru et du cuit dans la pomme de terre. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. Ok, c'est fait. Donc une fois que c'est fait, donc on va prendre les feuilles de briques. On va couper soit en deux, soit en trois. Moi j'ai coupé en trois pour faire des pour qu'il y en ait beaucoup en fait. Donc voilà. On peut couper en deux. Après ça, il faudra mettre. Qui dit deux dit qu'il faudra mettre de plus grandes quantités, donc c'est pour ça qu'après tout dépend de la composition de la famille ou de l'utilisation. Maintenant, si après c'est à vous de vous adapter. Donc bien sûr, je vais souhaiter la bienvenue aux nouveaux visiteurs qui me rejoignent. Soyez les bienvenus. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, de liker, de partager et de commenter si l'envie vous en dit. Donc, les techniques de base sont simples. On met la farce et puis après on roule. On va de droite à gauche et puis tout en suivant la feuille de brique jusqu'à la fin. Donc, la première est toujours mal faite, c'est comme la première crêpe. Donc, voilà. Ensuite, là j'ai mis deux feuilles, on peut mettre une seule feuille, hein. Moi je voulais juste tester un petit peu pour voir ce que ça donnait, mais bon, je veux dire, une seule feuille suffit, hein. Et puis quand on met le beurre, elles sont croustillantes et on dirait que vous mangez des chips. Bien sûr, quand elles sont encore, je veux dire, quand elles sont encore, voilà, elles viennent de sortir du feu, mais après, une fois qu'elles ont resté, je veux dire, pour l'après-midi, elles se ramollissent, c'est tout à fait normal. Hein. Voilà. Donc après, pour les cuire, on va mettre un tout petit peu d'huile dans la poêle et puis on va les faire frire de chaque côté. Et puis ça nous donne un résultat comme ça. Donc voilà. Bah voilà les amis, j'étais ravi de vous retrouver et puis de vous présenter cette recette. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwetzimbladi. Partagez, likez. Merci pour votre soutien. Salam alaikum.